Donc moi je suis bien content de trouver des gens qui sont derrière les jeunes pour leur dire de quoi faire, pour leur mettre sur le droit chemin. Il y a beaucoup de jeunes, j'ai vu beaucoup, surtout en ce moment à la télé, qui disent qu'il n'y a rien pour nous, ils n'organisent rien. Mais en fait, il y a des choses, j'habite justement dans cette commune et du coup, c'était vraiment pratique pour moi que ce soit juste ici. Ça nous permet de découvrir les réponses à nos questions et d'approfondir nos connaissances afin qu'on puisse vraiment savoir où est-ce qu'on va se diriger. Cette formation-là se déroule sur 12 mois, donc conducteur option travaux publics. Et le début, c'est le 30 mai. Vous pouvez postuler dans le domaine du commerce, de la caisse, BTP, alimentation et hôtellerie. Bonne chance et bon courage à tous. Vous allez être appelés à tour de rôle. On a des offres d'emploi dans l'hôtellerie, dans la restauration, mais également dans le BTP. L'idée, c'est de trouver un métier vraiment que vous aimez et de vous lancer. Prochainement, nous avons l'ouverture de la déchetterie. Donc, il faut savoir que dans les métiers de l'environnement, il y aura un besoin. Et donc, voilà, nous cherchons à former nos jeunes dans ce domaine-là, entre autres. Vous voyez l'affluence de jeunes, de moins jeunes. Vous avez des professionnels qui sont là pour proposer des offres d'emploi avec des entretiens d'embauche. À l'issue de la journée, il y aura peut-être quelques jeunes qui seront embauchés. Voilà l'objectif de la région Guadeloupe, surtout que la population trouve son compte. Ce n'est pas des actions dans le vent que nous lançons en région, mais ce sont des actions qui doivent porter leurs fruits. Et c'est un page qui va monter en puissance encore dans les autres communes du département. Et nous arrivons à un résultat où tous les Guadeloupéens pourront avoir une solution à leurs problématiques. Osez venir dans ce genre de manifestation. Il y aura toujours une porte qui s'ouvrira pour vous. Il y aura toujours un accueil. Vous aurez toujours un regard positif qui vous permettra encore d'aller plus loin. Donc venez, saisissez votre chance et que chacun puisse sortir grandi de cette manifestation. Le maire est satisfait, les exposants sont satisfaits, la jeunesse est satisfaite. En plus, nous avons eu une très belle délégation de Terre de Ruy, de Terre de Bac qui se sont rendus ici à Trois-Rivières, donc je ne peux être que satisfait. Ce qui est important, comme je dis, derrière, c'est concrétiser les actions, accompagner ces jeunes à créer leur entreprise, à faire des formations. Nous allons auditionner 25 jeunes parce que nous allons intensifier l'équipe du BAGE avec 10 recrutements, donc nous sommes vraiment satisfaits.